le libraire ne le fait pas, ne joue pas son rôle, c'est compliqué de vendre. Je parle de la chaîne de valeur qui commence par l'écriture et se termine par la lecture. Si cette chaîne n'est pas huilée, si les différents maillons ne sont pas bien joints entre eux et qu'ils ne se déroulent pas naturellement, il n'y aura ni livre ni lecture. Que font les uns et les autres? Dans la chaîne des valeurs, nous avons aussi les journalistes, donc les hommes des médias, les imprimeurs, les critiques littéraires. Bon, est-ce qu'elles tombent du ciel? Ou il doit y avoir une politique du livre attachée à la bibliothèque et à la production du livre? Est-ce que chacun peut se donner une politique du livre? Non. C'est une affaire nationale. Et dans le cas des coopérations, c'est une affaire qui devient sous-régionale pour l'Afrique centrale, puis plus loin, continentale, puis plus loin, lorsqu'on s'impose bien, on va pouvoir peser sur les décisions internationales pour la promotion du livre. Donc, c'est des cercles concentrés. Mais il faut un départ puissant pour arriver à la fin du processus. Nous disons que le livre transmet des valeurs socioculturelles. Oui. Même des peurs. Oui. Mais les idéologies sont bâties comment? Les idéologies sont bâties sur l'écrit, ce n'est pas l'oralité. Il y a des livres secrets qui datent de siècles et de siècles. Par exemple, sur la domination de l'Afrique, sur l'assujettissement du noir. Monsieur Tupot, excusez-moi, je ne suis pas raciste, ma femme est blanche. Donc, sur l'assujettissement du noir, il y a des stratégies qui ont été élaborées par l'Occident il y a plus de 5 siècles. On est passé par l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme aujourd'hui. Tout cela fait l'objet de documents secrets. C'est des livres, c'est pas un livre. C'est des documents qui existent. Alors, est-ce qu'en Afrique, nous avons des documents lutter contre la soumission? Est-ce que nous avons des stratégies? Ah, peut-être que ça se communique dans l'oralité, puisque nous sommes une société de l'oralité, ouais. Mais ça ne va pas loin, l'oralité. Ça s'arrête dans le temps. Ça s'arrête dans les frontières nationales, l'oralité. Nos stratégies se trouveraient telles ou... Je vais en France. Il y a des choses dont j'ai essayé de me souvenir quand je suis revenu à la vie, parmi lesquelles une conférence africaine sur l'émancipation et le développement économique de l'Afrique. Cette conférence se tenait dans une petite ville africaine. Et les discours étaient très chaleureux, avec beaucoup d'attrait,
avec beaucoup d'enthousiasme. On applaudissait sans arrêt. Parce qu'on visait quelque chose de grand. Enfin, ça va changer. Espérait-on. Puis il y a eu des débats, il y a eu des résolutions, et il fallait signer la déclaration de cette conférence. C'était une réunion des chefs d'État. Curieusement, ces trois-là, ils n'en avaient aucun, même pas celui du pays propre. Il n'y avait que des représentants. Et les représentants, lorsqu'ils sont appelés, après avoir prononcé leur discours extrêmement prometteur, quand on annonce qu'il faut que l'on signe la déclaration, regrouper, on les a ramenés difficilement dans la salle. D'autres encore dans la salle étaient au téléphone. Que c'était avec les capitales de leur pays. Et puis. Bon, allez, on va passer à la signature. Tel pays. Ah, je suis désolé, je ne peux pas signer, je n'ai pas eu du mandat de mon pays. Malheureusement, je ne pourrais pas signer. Je suis d'accord, je ne peux pas signer. Oh. Et toi? Tout le monde. Ah, il y a un délégué du pays pote qui représentait son chef d'État. C'est les deux seuls qui ont signé la déclaration. Sur 44 pays, 42 n'ont pas signé. Alors, on leur a dit, on a conclu, bon, devant cette situation, vous avez raison, vous ne pouvez pas signer si vous n'avez pas d'autorisation de le faire. Mais on va envoyer une délégation dans toutes les capitales pour obtenir les signatures de vos chefs d'État. Alors, les délégations sont arrivées dans la main. Progressivement, en fait, successivement dans les capitales concernées, et elles n'ont jamais été reçues par les autorités. Donc, comment pouvait-elle faire signer? Et puis, comme ça, dans un débat, on va révéler ce qui s'est passé. Et on s'est demandé, mais si la conférence avait eu lieu, si les signatures... Non, la conférence a eu lieu. Si les signatures avaient été... Que se serait-il passé? Répondez à la question. Alors, nous avons besoin de réfléchir et d'avoir une stratégie. Défendre contre, bon, je ne vous le dis pas ici par démagogie, c'est... je suis comme je suis, et je le dis chaque fois que je le dis. On a dit le téléphone a fonctionné, c'est pourquoi on ne peut pas se faire. Et que disait le téléphone? À vous de savoir. Je vous remercie. Évidemment, le FILIGA a noté, enregistré, que la pérennisation de l'événement devrait se faire par des liens séculiers, mais que surtout le livre reste formateur, éducateur. Il peut transmettre de courage, d'amitié, de modestie et autres. Mais que seulement pour que cela puisse être, il faut que le livre soit diffusé, qu'il soit produit et lu. Et pour que cela se fasse, il faut que tous les maillons du livre soient connectés, interconnectés. Bien, nous allons passer la parole à M. Adamo Kantaba, Burkina Faso, dernier intervenant du tour. Bon, il n'y a pas de table, on a donc une prise de chaise. Alors, on va vous écouter, ensuite on va clôturer ce premier tour
Et on reviendra avec des questions un peu plus précises, parce que je crois que l'auditoire voudrait bien savoir comment, concrètement, quel livre particulièrement a dû avoir un contact vif à travers ce livre, se dire oui, nous nous y reconnaissons et c'est grâce à ce livre que nous avons entrepris des choses. Ce serait beaucoup plus concret et je crois que ça intéresserait plus. Monsieur Adamo, vous avez la parole. Merci beaucoup de me donner la parole. Moi, c'est Adamo Kantagba du Burkina Faso. Donc, vous comprendrez au regard du thème de cette table ronde que je devais effectivement prendre la parole en dernière position. Parce que ces livres, vecteurs de savoir sociaux et l'analyse du poème, les étudiants ont raconté toute leur vie le poète veut dire ceci, veut dire cela. Alors que c'était un poème de Georges Perec qui avait écrit avec la seule intention que ça se lise dans les deux sens, de gauche à droite et de droite à gauche. Ce qu'en littérature on appelle un palindrome. Voilà. Donc, il y a ces réalités-là qui existent, qu'il faut dire aussi aux étudiants, il faut dire aux gens. Et c'est la même chose qui sont les écrivains gabonais. Moi, je suis de ceux qui croient à la sélection naturelle. Alors que ce soit des livres qui sont vecteurs de valeurs socioculturelles, de vecteurs de valeurs anti-socioculturelles ou bien rien du tout, moi je suis pour qu'on laisse chacun écrire. Les vers ont dit, chaque livre a son public cible. Alors ici on lit le théoricien allemand Hans Roberius dit que le succès ou l'insuccès d'un livre en fait, dépend de l'horizon d'attente du public. Permettre à chacun de lire selon ça, sur comment les écrivains africains essaient d'utiliser le patrimoine immatériel dans leur production. Et je m'intéresse particulièrement au patrimoine immatériel, notamment la magie. Et dans ce sens-là, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'écrivains africains qui essaient de déconstruire le discours sur la magie, notamment sur un phénomène tel que la sorcellerie roman africain, sous l'angle d'une approche théorique qu'on appelle la poétique magique. Et si on lit, par exemple, un roman comme Sujata ou Les Premiers Mandins, sous l'angle de la poétique magique, on se rend compte que la sorcellerie est une forme de résistance. Voilà. Parce que si vous regardez le roman, l'histoire de Sogolon, qu'on raconte, Sogolon Kidju, qui était la femme buffle. Mais, puisque dans la poétique magique, on dit. En fait, derrière chaque pratique magique, il y a un secret magique. Voilà, il y a une motivation. Moi, j'essaie de voir pourquoi, dans le début de ce roman qui est devenu un classique, pourquoi Sogolon cherchait effectivement à s'en prendre à son roi du coup qui était son frère. Et quand vous lisez, vous comprenez qu'elle avait effectivement une motivation. Son frère a pris l'héritage, une partie de l'héritage. Alors que c'est commun à l'ensemble des individus de la France. Et si vous lisez le secret des sorciers noirs, qu'un de mes quatre patrons a écrit en 1934, il dit, pour être envoûté, il y a un certain nombre de réseaux, de transgressions qu'il faut faire. Sinon, on ne vous envoûte pas comme ça. Et parmi les conditions pour qu'on puisse vous envoûter, il y a l'appropriation d'un héritage par un individu, alors qu'il est commun à beaucoup de personnes. Et dans Sujata ou les Poupées Mandins, c'est exactement ce qui s'est passé. Le roi de Do, qui était roi, en fait, a pris l'héritage qui était commun aux membres de la famille. Maintenant, la femme, n'ayant pas le pouvoir comme son frère, elle n'a plus que recourir à sa magie. Et elle se transformait en un buffle pour décimer les populations de Do, pour faire mal à son frère. Donc là, elle utilise ses pouvoirs magiques pour refuser, pour s'opposer à la spoliation de son frère. Et pour comprendre qu'effectivement, elle ne fait pas du mal pour le plaisir sournois de faire du mal, pour avant même de tuer les gens qu'on avait mis, puisqu'elle n'était pas n'importe qui, pour qu'elle tue les gens qui étaient mis à sa trousse,
elle est soumise d'abord à un test. Et tous les des espoirs de cause qui reviennent, ils demandent pardon à la famille et ils reconnaissent l'autorité de la famille sur eux. Le monsieur, il reconnaît. Il dit, j'ai fauté, j'ai eu tort, voilà, mais quelqu'un me parle, quelqu'un machin, pour demander votre pardon. Vous aurez des enfants. Ils sont repartis, effectivement, ils ont des enfants. Donc là aussi, c'est pour dire quoi? En fait, quand l'oncle a ensorcelé la femme pour qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant, ce n'était pas pour le plaisir de nuire gratuitement. C'est parce que leur enfant les a défiés. Voilà qu'il est revenu, il a demandé pardon, il s'est agenouillé devant eux, et puis on leur a donné des enfants. Donc c'est-à-dire que dès le départ, s'il s'était mis sous la tutelle de la famille, on pouvait trouver des alternatives. Il y a des rituels de réparation qu'on aurait pu faire et puis ils allaient se marier sans problème. Donc, le roman, la littérature aussi partie de cette déconstruction aussi de certaines périodes. Le livre qu'on achète en papier, on va le lire, on va l'aimer, on va le donner à sa tante, on va le prêter à sa cousine, on va le donner à son meilleur ami. Il a plusieurs lecteurs. Un livre, ça a une vie. Et plus il y a de lecteurs, plus la lecture, il gagne. Le livre au Canada, beaucoup de discussions, beaucoup de bibliothèques, partout des librairies. Dans les années 80, il s'est mis à y avoir des librairies de livres usagés. Curieusement, les éditeurs n'ont pas crié au meurtre, on vend plus de livres parce qu'ils se vendent en seconde main. Okay? Un livre qui était acheté par quelqu'un qui avait les moyens de l'acheter. J'arrête les chiffres, non? Pendant la période coloniale, tous les écrivains pratiquement avaient africains un seul but, c'est de écrire, c'est pour transmettre les valeurs. Et la plupart des écrivains ne peuvent pas se permettre d'écrire des œuvres qui pouvaient remettre en cause les valeurs africaines, nous encore écrire avec ces valeurs, mais pourquoi pas aussi essayer de titiller avec, je prends l'exemple de ce bouton-ci, qui certes c'est l'un des grands écrivains africains, mais dans ses livres, vous allez retrouver des concepts qui parlent frisent la naissance. Vous prenez le pleurer rire de Henri Lopez. Dans le pleurer rire d'Henri Lopez, vous allez retrouver des scènes érotiques. Nous sommes dans les valeurs. Des scènes érotiques. Vous venez actuellement, il y a même des écrivains dans la génération 90 aujourd'hui, il y a des écrivains qui eux-mêmes se sont donné la mission d'écrire que pour eux, ils pensent que pour que le livre puisse marcher, il faut qu'il s'inscrive dans le sillage de décrire des scènes érotiques, quoique le livre n'a pas un caractère pornographique. Alors, à ce stade de réflexion, est-ce que ce livre peut-il être considéré comme un vecteur des valeurs ou un vecteur des anti-valeurs? La question est pour la plupart. On reviendra tout à l'heure, juste une minute, le temps de prendre les autres, parce que peut-être que tu peux vous adresser la parole interrogative. Nous allons donc écouter madame. Merci et bonjour à tous. Merci d'avoir félicité les panélistes pour la qualité du débat. Donc, c'est un thème qui est très intéressant. Le livre comme vecteur de transmission de valeurs socio-culturelles. Moi, je dis que la transmission demande d'abord un code. Un code qui est connu et su de tout le monde. Donc, pour transmettre, il faut d'abord un médium. Et ce médium-là, c'est la langue. Maintenant, à l'ère où on est, on parle plutôt de nos langues traditionnelles. Est-ce que écrire dans nos langues traditionnelles ne freine pas cette transmission de valeurs socio-culturelles? Parce que si le Gabonais écrit dans ses langues, le Sénégalais, le Tchadien, ils ne seront lus que par les Gabonais, les Tchadiens. Donc, est-ce que cette transmission sera vraiment effective? Donc, moi, c'est ça mon inquiétude. Est-ce qu'il ne faudrait pas, comme l'a souligné la dame, il faut écrire dans une langue que, par exemple, le Gabonais
la culture gabonaise, des valeurs socioculturelles gabonaises ou congolaises ou autres. Mais par exemple, moi, si je me permets d'écrire en Wolof, peut-être tu peux avoir les codes pour lire le Wolof, mais pour la compréhension, ça ne va pas être ça. Donc, il faut ça. Mais quand même, Pierre a un peu empiété sur le thème de demain, en parlant de la diffusion, n'est-ce pas? Pour que ces valeurs-là puissent être transmises, il faut aussi que le livre circule, que moi je puisse lire le docteur Atier du Tchad, que je puisse savoir quelle est la culture, même la cuisine. On peut, à travers le livre, connaître la cuisine qui est un élément culturel des autres pays. Connaître aussi certaines cérémonies. Donc tout ça, c'est des valeurs. Maintenant, on a parlé de construction et de déconstruction. Moi, je dirais plutôt de valeurs et d'antivaleurs. Parce que tous les livres promeuvent des valeurs socioculturelles. Maintenant, ces valeurs peuvent être des valeurs positives comme elles peuvent être des valeurs négatives. Mais la déconstruction, elle est pédagogique. Elle n'est pas toujours mauvaise. Parce que moi, je peux lire un livre qui traite d'antivaleurs. Mais j'ai besoin d'une déconstruction pour revenir à des valeurs. Maintenant, c'était juste ça, ma part de contribution pour construction, déconstruction des valeurs à travers les livres. C'est que les livres taquinent, provoquent, embêtent, dérangent, rassurent. Mais dans tout cela, les valeurs sont aussi bien malmenées que renforcées. Mais le plus important, c'est qu'elles sortent de là véritablement renforcées. Parce qu'on a tous besoin des valeurs. Il y a beaucoup de doigts, mais on va aller d'abord avec les premiers qui avaient levé. Je vous remercie. C'est pour pouvoir donner la parole. Je compte pour le livre. Je voudrais juste rappeler quelque chose, hein, qu'on soit bref pour permettre au grand nombre de s'exprimer. Okay. Le livre Valeurs et Constitutions socio-culturelles. Ces valeurs-là doivent intervenir au moment où l'écrivain trouve un besoin, parce que le livre, c'est une entreprise. Et quelle est la méthodologie d'une entreprise? C'est pouvoir gérer les failles, par exemple, de la société, afin de pouvoir mettre en place un produit qui puisse relever ce défi. Donc, écrire un livre, c'est construire une entreprise. Et construire une entreprise, il faut qu'il y ait un besoin. C'est la raison pour laquelle je suis là, je suis un chercheur, pas de l'université, mais je suis un chercheur étudiant, je m'appelle un examen étudiant. Et j'ai constaté que dans une autre société gabonaise, même en Afrique, il y a quelque chose qui n'arrive pas normalement à satisfaire les besoins des auditeurs, notamment les élites, si bien que j'ai fait la recherche sur les élites. Et en faisant la recherche, il fallait se pencher sur l'histoire, il fallait se pencher sur la langue et l'ordre des élites. Et dans tout cela, nous observons que notre histoire a été truquée. Parce que, au jour d'aujourd'hui, nous devions savoir d'où nous venons, qu'est-ce que nous sommes. Et, en gros, parce que vous avez dit de ne pas trop commenter, alors tout être humain, par définition, est un zébi qui s'ignore. Donc, dans la salle, nous sommes tous les zébis. Et il y a un dicton qui dit ceci. L'histoire rectifie le présent et améliore le futur. Donc ce qui fait que notre vie, c'est une équation du premier degré à deux inconnus. Donc l'histoire plus l'avenir. Si nous ne connaissons pas l'histoire, eh bien, dans notre culture, nous allons demeurer statiques.
Donc, c'est sans, dans cette vision, vous auriez, dans le temps, je ne sais pas combien de temps, un livre qui s'appellerait Devina. Je vous inviterai à le consulter. Merci. Ça se pense bisme. Mais en attendant, nous allons prendre madame. Oui. Bonjour, cher Pauline. Bonjour. Je suis futur, je suis. Il m'a dit que les paroles s'envolent, les écrits restent ici. Femme, l'intérêt de l'appel, je suis. Donc, on rentre en marketing futur. Je marque international depuis 10 ans au compte de Business Africa. Dans la rubrique Initiative Africa, membre actif de FIDEA, côté communication et logistique. Ravi de vous savoir parmi vous, ravi pour le document à l'envoi de notre jeune bureau qui fait sa première sortie personnelle et qui nous veut ici. Je vous dis encore Bolo, qui signifie bonjour et bienvenue chez nous. Ce qui est de ma question, mon information, j'espère que vous pouvez vous trouver. Comme on dit, mais le fait chez soi. Et la vie ne fait pas le mal. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Tout a été bien dit, il y a un mais Dieu créa l'homme et il a l'alliance. L'alliance va nous amener l'amour de la science. Je suis écœurée. J'ai peur de l'avenir du monde de l'écriture et des arts. Parce que entre plus chaque jour, certains visent sur la forme, ne comprennent pas le fond. D'autres s'expriment mal, se rédigent sur les sons. On s'éloigne de la vie que vous, en tant que père des arts et des cultures, vous n'avez plus ou moins l'assurance de mettre fin à cette manière de faire. Parce que nos enfants, ça donne de plus en plus au largot, à l'abréviation, à comprendre le sens des mots et leur valeur dans la société un peu plus chacun. Voici ma préoccupation. Les ministres ici ont bien enregistré votre question et ils vont y apporter la réponse parce que votre peur est tout à fait fondée et à cette peur, il faut bien que le livre soit un véritable rempart. Est-ce vrai qu'il peut assumer cette fonction, nous le dirons. Oui. Bien, bonjour à tous. Je m'appelle. Bonjour à tous. Je m'appelle Parfait Ola. Je suis écrivain et membre, secrétaire général de l'Union des écrivains gardiens. J'aimerais intervenir sur la question des valeurs parce que j'ai entendu notre frère qui vient tout en écoute. Il parlait de l'évocation de la sexualité comme anti-valeur, je pense, parce que tous les clients préfèrent mettre l'accent sur les scènes à caractère érotique. Est-ce que parler de l'éros en littérature est une anti-valeur? C'est ça la question. Parce que lorsqu'il parlait tout à l'heure, il semblait dire, ce que j'ai entendu, que parler de sexualité peut-être inapproprié parce que les premières formes d'écriture parlaient de la littérature africaine, les valeurs comme les valeurs d'éducation, les valeurs de travail, etc. La littérature ne doit que promouvoir ces valeurs-là et que parler de l'éros serait anti-valeur. C'est là ma question. Est-ce que parler de l'éros est une anti-valeur dans la littérature? Est-ce qu'on va castrer la plumonderie traditionnelle pour essayer de parler de tout,
derrière. Et cela d'ailleurs caractérise la situation dans nos familles où lorsque à la télévision une scène obscène arrive, que tout le monde se roule dans les bras d'en parler, d'en discuter. Mais les merci, je te rappelle Linda, Linda pour un endroit. Et je tiens à féliciter les ministres pour la qualité des informations. Je voudrais quand même comprendre que le livre transmet effectivement les valeurs. Qu'elles sont antiques ou pas, c'est des valeurs. Et je crois comprendre également que la spécificité de notre monde actuel, aujourd'hui, à date où je parle, c'est que nous vivons dans un monde mondialisé. Bon. Là-dedans, il y a de tout. Il y a de dire, ouais, je suis un monde, je suis un citoyen du monde. En fait, il n'existe pas un citoyen du monde. Sauf ça, dans le livre que nous écrivons. Mais dans la vérité, il y a un Japonais, reste Japonais. Je suis désolé. Et nous, Africains, nous avons un problème avec notre propre identité. Nous sommes tout. Nous sommes des, sauf les Africains. Nous sommes soi-disant citoyens du monde. On appartient à tout et à nulle part, en fait. Il y a quand même un problème. Et je pense que les rencontres de ce genre doivent fixer, doivent ancrer une idée qui doit être soutenue par nos livres. Et tout à l'heure, notre ancien disait que il y a des livres qui ont été écrits il y a cela 500 ans, mais dont la trame, c'est-à-dire qu'il y a une trame, il y a une trajectoire. 500 ans, et aujourd'hui, en 2022, mais des civilisations, des peuples, s'attellent à mettre en œuvre ce que quelqu'un a écrit il y a cela 500 ans. Donc il y a une trajectoire. C'est-à-dire qu'on est stable dans nos têtes, en fait. On est stable. On s'est réconcilié avec soi-même. Mais le problème avec nous, c'est que nous ne sommes pas réconciliés avec nous-mêmes. Nous sommes des réceptacles de tout et de n'importe quoi. Aujourd'hui, on nous parle, oui, les antivaleurs, il faut les écrire. Oui, d'accord. On nous a introduit le concept des genres. Personne n'a discuté le concept des genres. Et aujourd'hui, on ne met plus le sexe. Le sexe n'existe plus. C'est l'homosexualité, c'est l'harmonisation. Et on est tous d'accord avec ça. Mais quelqu'un a écrit ça dans un livre. Quelqu'un a écrit dans un livre. Que nous sommes tous, il n'y a plus de femmes, l'altérité n'existe plus. On est tous pareils. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, et non, plus de hommes. Nous sommes en 2022, mes chers parents. Nous sommes en 2022. Et c'est quelqu'un qui a écrit ça. Et aujourd'hui, quand on ouvre la télévision, on voit un homme et non, c'est passé. Ces anti-valeurs, nous l'avons écrit. Et nous vivons. La société l'a absorbé. Et c'est fou, c'est que c'est nous qui payons l'échelle. Et quand on voit un homme s'en passer, on a envie de vomir. Mais c'est toi-même qui t'allais payer ces chaînes-là. C'est toi-même. J'ai envie de vomir, mais c'est moi qui t'allais payer en plus pour ça. Mais ça, ce sont les valeurs, je suis désolé, qui se sont imposées par un acte de puissance, les amis. Un acte de puissance. C'est sur notre point qu'on va maintenant voir les hommes et les femmes, ou on va voter une loi, comme Bécane, à l'Assemblée nationale. On parle de quoi, mes amis? Il faut faire attention à ce que nous écrivons, à ce que nous disons. Parce que ça impacte directement sur nous. Aujourd'hui, on est de l'Europe, le titre, qui ne dépend pas de notre tradition. Et c'est là où je voulais vraiment, vraiment féliciter Mme Angèle Christine Ondo. Parce que, madame, nous encore avec quelques enfants. Comment voulez-vous que le monde est rentré dans son système de pensée? Comment pouvez-vous? Puisque le langage, c'est un système de pensée. Ce sont des codes. Et qu'ils peuvent être définis. Qui doit avoir l'habileté, qui doit avoir le toucher. Il sent cri que le murmure. Il parle à ton oreille, il parle à ton âme. Vous avez touché, vous êtes présenté à nous comme grand-mère. J'ai dit, reconnaissez combien de Gabonais ou de Gabonais encore qui se connaissent comme grand-père. Les streams. Mon attention a été attirée par le changement des discours. En ce qui concerne les stratégies que vous avez traitées sur
encourager, n'est-ce pas, sur vraiment la lecture, en établissant, par exemple, des bibliothèques dans les quartiers, etc. Mais il y a un aspect que vous avez, peut-être que vous avez, qui vous a échappé, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau de la télévision, le livre se lit. Merci de savoir ce panneau. Oui. C'est du Mina ou du Fon? Ou du Yoruba? Non, c'est pas le Bariba, le Fon et le Bindi. Trois langues de Mina. Il manque le Fané là maintenant. Sans plus de Nipiano, c'est le berceau de Reine de Troyes. À celle-là, oui, à on a un compatriote de Bonin qui a l'habitude de représenter le pays, donc c'est une invité exceptionnelle. Je vais appeler No.